Bonjour, cher ami entrepreneur, ça fait vraiment un bail. Ce matin, je tiens vraiment à m'entretenir avec vous et encore à vous encourager. Vous voulez vous lancer dans un projet de fabrication de crêpes ou vous voulez vous lancer dans la transformation, c'est le bon moment. Restez là jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez avoir toutes les étapes nécessaires pour travailler dans ce business. Nous allons vous donner point par point. Cette vidéo de ce matin, certes, elle sera un peu plus longue que d'habitude, mais nous tenons à ce que ça vous donne le maximum d'informations, que ça vous révèle le maximum de secrets pour vous permettre d'abord à vous donner le goût de rester dedans ou de vous lancer si vous n'êtes pas encore dedans, surtout dans la fabrication des craies. Bien sûr, la bonne craie et la meilleure craie. Nous avons tenu à faire cette vidéo aujourd'hui dans notre atelier de fabrication. Là, vous allez voir, nous avons mis un peu d'espace où nous faisons notre petite activité. On teste les élevages dans lesquels nous sommes en train de pénétrer avec beaucoup de force afin d'avoir un instant très tranquille pour vous révéler ces informations. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment bien fabriquer les craies et nous allons vous laisser en descriptif les liens des autres vidéos qui vous donnent plus de détails et de pratiques. Vous allez apprendre comment entretenir les moules, comment faire les choix des bons moules. Vous allez apprendre comment vous pouvez, avec le système facile, n'est-ce pas, sécher vos craies. Vous allez aussi apprendre ou avoir des informations comment vous pouvez commander vos moules. Quels sont les contacts à prendre pour avoir des moules et ne pas vous en arnaquer ou vous faire arnaquer, bien sûr. Vous allez apprendre comment vous pouvez sécher vos craies avec des moyens faciles et comment fabriquer les palettes de récepteurs et de palettes de séchage. Donc, vous allez avoir ces condensés dans cette vidéo. Ne quittez pas, donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir beaucoup de lourd. Et je vous informe déjà que nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner en cas de besoin. Nous laissons toujours nos numéros afin que vous puissiez nous contacter, vous puissiez revenir vers nous pour tout conseil, pour tout accompagnement. Notre équipe est déjà assez grande pour que nous ayons un technicien prêt à tout moment à voyager et à venir chez vous pour venir apporter l'expertise, un accompagnement et pourquoi pas former votre staff. Alors ne quittez pas juste après cette générique. Nous vous disons bonjour encore, bienvenue dans notre chaîne, bienvenue chez vous, chers entrepreneurs. Oui, parlons des sujets saillants qui nous intéressent. Nous allons commencer sans plus tarder avec le premier point, tout en vous annonçant de rester, liker, aimer la vidéo et partager avec les autres, avec l'esprit que nous sommes toujours réceptifs, toujours là pour travailler avec vous, pour vous accompagner, pour porter la couleur de votre projet. Et nous, ça nous fait toujours du bien lorsqu'on voit quelqu'un qui a été accompagné par nous et qui a eu des bons et des très bons résultats. On considère que la gloire revient à nous.
aussi parce que nous avons tant soit peu contribué pour que l'entreprise aille de l'avant. Donc, il faut noter que chez Akello Farming Group, nous avons une force. Notre force, ce n'est pas l'argent, mais notre force, c'est le résultat. Donc, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas, s'il vous plaît, contactez-nous et nous allons vous surprendre avec les résultats que vous allez avoir. Alors, nous passons au premier point de notre présentation d'aujourd'hui. D'abord, c'est la fabrication des craies sous plusieurs facettes. Mais tout de suite, on pense aux ingrédients. Parlons des ingrédients de fabrication. Waouh! Une question qui intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Un problème que plusieurs personnes nous ont posé, plusieurs fabricants, plusieurs experts, plusieurs personnes. Nous avons fait un choix après avoir testé beaucoup d'indicateurs, après avoir dépensé pas mal de moyens. Nous avons eu le temps de visiter pas mal de nos frères qui font dans le même business et qui font les coachings dans la fabrication des craies sur Internet, dans les ateliers et consorts. C'est un peu la chance que nous avons eue. Parce que nous, on a été dans plusieurs pays pour aller apprendre et pour écouter les autres. Et nous avons tiré nos conclusions. Alors, quand nous disons que nous avons décidé de fabriquer nos craies avec un seul ingrédient en poudre, plus l'eau, nous avons une raison. Et voici la raison que nous allons vous révéler. Et bien, avant que je vous révèle la raison, je vais vous dire qu'il reste encore d'autres choses à vous révéler. Vous allez avoir les grandes étapes de fabrication, l'approvisionnement. Dans l'approvisionnement, vous allez voir quelques informations sur comment faire le choix des matières premières, quelques informations sur les importateurs ou les fournisseurs qui peuvent travailler avec vous dans plusieurs régions, quelques informations sur la fabrication des craies de couleur et enfin, l'organisation de votre équipe. Et une petite information, nous allons un peu vous parler du séchage. Voilà. On revient sur les ingrédients. Nous disons que l'ingrédient principal que nous mettons en avant, c'est le plâtre, cher ami, le POP. Le POP, cher ami, nous le respectons. Quand on parle des craies, il est le number one. Il est l'ingrédient que vous ne pouvez jamais contourner. Ouais, sur Internet, les gens ont parlé de beaucoup, beaucoup d'autres ingrédients. Ils ont parlé de beaucoup d'autres histoires. Mais nous avons conclu qu'il s'agit d'une sorte de diversion. Parce que ça ne sert à rien d'aller vers trop de choses alors que la solution est juste en face de vous. Akello, cher ami, ne vous ment pas, il vous dit la vérité, il vous révèle tout ce que les autres ne vous a jamais dit. Et là, c'est notre point fort aussi. Donc, quand vous avez le POP, quand vous avez le gypse, cher ami, vous avez ce que vous pouvez appeler l'ingrédient le plus important pour la fabrication des craies scolaires. Et là, pour bien faire les choix sur le marché, nos numéros sont là. Vous pouvez toujours nous contacter. Et nous avons déjà été dans plusieurs régions en Afrique. Nous pouvons essayer, si nous voyons les images que vous nous envoyez, essayer de vous orienter sur le marché, que votre marché, comment vous pouvez faire les bons choix. Donc, avec le plâtre ou la poudre de gypse que nous apprécions beaucoup et l'eau, vous avez toute la totalité sur la fabrication des craies. Nous avons révélé pas mal de choses déjà sur comment procéder et le secret. Vous pouvez voir en descriptif les liens des autres vidéos que nous avons partagées avec vous. Vous pouvez ainsi aussi nous revenir en cas de besoin, nous serons toujours là pour vous accompagner.
Alors, lorsque vous avez cet ingrédient, vous avez à l'utiliser comme il se doit. Alors, vous allez me poser la question, comment faire? Comment alors avoir cette meilleure qualité de craie pour que nous y arrivions, pour qu'on ait la meilleure craie du continent comme vente ou comme aime bien le vanter Akelo sur ces vidéos. Voilà, nous allons passer pour répondre à cette question à la deuxième étape de notre présentation, qui est les grandes étapes de la fabrication des craies. Et là, nous sommes déjà dans l'atelier. Nous sommes déjà dans l'atelier et nous, on suppose déjà que vous êtes déjà munis de votre moule. Et les moules, vous savez, nous conseillons à nos amis, à nos frères, nos sœurs, entrepreneurs, nos chalk makers, comme nous aimons les dire, de faire les choix de ce type de moule. Ça, c'est le moule de fabrication chinoise à piston semi-automatique. Pour moi, c'est le moule le plus abordable et le plus pratique dans la fabrication de la bonne qualité des craies, la longueur, le diamètre et tout ce qu'il faut sur la production de la craie standard que vous voulez. Donc, ça, c'est déjà un élément très important. Donc, pour passer à ces étapes, je vous demande de vous approvisionner en ce type de moule. Voilà. Nous allons voir en bas comment procéder pour avoir ce type de moule. Juste après ça. Alors, les grandes étapes de la fabrication des craies. Nous en avons deux. Nous avons le mélange et le moulage. Dans une vidéo que j'ai fait récemment, je parlais un tout petit peu des deux dispositifs. Lorsque vous achetez une machine complète de fabrication des craies de la Chine, par exemple, vous avez deux parties. Vous avez les parties, la partie mélange et vous avez la partie de moulage. Et c'est là les deux grandes étapes de la fabrication des craies. Nous parlons un peu longuement pour vous pousser à bien comprendre et à ne pas commettre beaucoup d'erreurs quand vous planifiez votre projet. Et dans cette étape, nous sommes aussi là pour vous accompagner. Il faut aussi dire que notre équipe est prête où vous êtes. Vous pouvez avoir votre projet sur la fabrication des craies et vous nous confiez, vous signez avec nous la partie technique. Donc nous prenons la partie technique, la production, et vous vous occupez de la commercialisation de la meilleure craie du monde pendant que nous, on prend toute la technique. Donc, nous avons tous les matos. Où vous êtes en Afrique, nous pouvons mettre en place une équipe solide pour vous et assurer la technique. Et quand on parle de la technique, c'est-à-dire la qualité, l'assurance qualité de vos craies. Voilà. Donc, c'est un peu la force aussi de notre équipe. Alors, les grandes étapes de la fabrication des craies sont résumées dans le mélange et le moulage. Dans le mélange, vous avez des étapes très faciles, comme le pesage et vous avez le mixage. C'est-à-dire, vous pesez les deux ingrédients, donc l'eau et le plâtre ou la poudre de gypse. Vous les pesez. Une fois pesé, vous faites le mixage. Là, vous avez fini avec l'étape de mélange. Voilà, mais il y a de petites informations qu'il faut bien maîtriser dans cette étape. Il y en a d'autres dans, excusez-moi, il y en a d'autres lorsqu'on va parler du moulage. Et là, vous allez me poser la question, mais quels sont ces secrets? Je vais y revenir. Mais je vais d'abord passer à la deuxième étape. Et si je me rappelle, ou si j'oublie plutôt, rappelez-moi, j'y reviens, mais je ne vais pas oublier.
Alors, la grande étape de moulage, c'est lorsque nous avons fini avec le mixing, nous passons au déversement de notre produit dans le moule. Donc, lorsque nous déversons dans les trous qui sont là, c'est ça le moule. Le mélange ainsi prêt doit être déversé dans les trous qui sont là, les orifices de ce moule. Voilà. Et quand nous sommes en train de déverser, là, nous sommes passés de l'étape du mélange vers le moulage. En ce moment-là, les matériels de mélange sont au repos ou au nettoyage pendant que nous nous occupons de notre moule qui a ainsi reçu notre produit. Lorsque nous sommes à cette étape, il y a quelque chose qui est très important. Lorsqu'on a des moules, on est en train de faire le moulage, la première des choses, c'est de se rassurer. Et se rassurer, là je suis clair, c'est rassurer que le moule est plein. C'est-à-dire, chaque orifice reçoit son produit. Aucun des orifices n'est vide ou à moitié plein. Oh, Akelo n'a pas dit. Là, Akelo est en train de parler. Qu'il faut se rassurer que chaque orifice est à 100% plein. Voilà. Akelo a dit. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Nous allons voir les pourquoi quand nous allons parler de l'entretien de moule. Alors, dans cette étape finie lorsqu'après le déversement de notre produit ici, nous allons attendre un tout petit peu tout en nettoyant la surface. Nous allons attendre un tout petit peu jusqu'à ce que l'étape de séchage interne finissent, lorsque notre produit est prêt, nous allons le sortir du moule. En sortant du moule, nous l'avons vu dans plusieurs de nos vidéos, nous allons donc tourner le moule comme ça et nous allons chasser le piston en poussant ce bras que nous voyons là. Ça, c'est ce que nous appelons le démoulage et c'est ça. Désolé, hein. Oh là là, faut pas faire ça, hein. Ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà, on y revient. Donc, cette étape du démoulage, c'est ça qui annonce la fin de la deuxième étape de la production. Parce qu'il faut noter que à partir de cette étape, on doit sortir d'ici et aller au séchage. Voilà, chers amis. C'est les deux étapes de la production de nos crins. Il y a en descriptif plutôt un lien vers le A à Z de production des crins. Donc, nous avons fait des vidéos comme ça qui vous donnent tous les détails sur la fabrication proprement dite des craies. Donc vous pouvez rentrer là-bas et voir tous les détails. Et en cas de besoin, il y a toujours le numéro. Vous pouvez nous revenir pour vous donner des orientations et pour toute éventuelle collaboration. Donc, je disais tout à l'heure que je vais revenir sur la première partie de fabrication, qui est le mélange. Dans le mélange, je disais que il y a un élément important, le timing. Il faut bien noter en gras, au besoin en italique, le timing. Le timing, c'est très important, chers amis. Time is money. Time is very, very important. So you guys have to care of time when talking of the first part of this work. Hey, c'est ça, hein. Un peu d'anglais, ça fait du bien. Parce que le français aussi, là, c'est pas facile, hein. Donc, le time, c'est important. Le time, c'est important. C'est important.
quand le français ça passe pas bien là, il faut nous pardonner, hein, parce que nous là on n'est pas français. Si c'était en Kingala ou en Ebembe là, ça allait passer. Mais comme c'est dans une langue d'autrui là, ça complique un peu. Donc le time c'est important. Le time là c'est important. Quand vous êtes en train de mélanger, il faut savoir quand est-ce qu'il faut passer au moulage. Quand est-ce qu'il faut passer au moulage? C'est-à-dire les moments où votre mélange sort du liquide pour passer à quelque chose de molle. Et ça, c'est très important et c'est super. Il faut vraiment faire attention à cette étape parce qu'il est crucial et il est très important. Et il faut très bien noter ça parce que c'est très important pour votre moule, c'est très important aussi pour les résultats que vous avez. Or, Akelo n'a pas dit. Akelo vient de parler, et quand les autres vont dire, oh, on a bien compris, on n'a pas bien compris, parce que nous, voilà, il y a des gens qui vont dire ça. Donc, vous comprenez que ces deux étapes sont cruciales dans la fabrication. Je vous envoie encore dans nos descriptifs pour aller voir d'autres informations sur les détails, sur les quantifications et consorts. Tout est là, tout est prêt. Alors, ne quittez pas parce qu'il reste encore trois choses. Il reste encore comment faire l'approvisionnement des matériels, la fabrication des craies de couleurs, l'organisation de l'équipe, hein, ce qui est très important aussi, et un petit bonus sur le séchage, comment fabriquer des palettes de séchage et tous les autres détails. Alors, on passe à l'étape suivante qui est la fabrication des craies de couleurs. Fabrication des craies de couleurs. Cette étape, elle est très importante parce que où vous êtes, nous avons compris que lorsque nous travaillons avec les gens, les marchés sont très diversifiés quant au matériel de coloration des craies. Alors, nous avons tenu à être trop détaillés ici, mais prochainement je vais faire encore une vidéo exclusivement avec pratique comment fabriquer les craies de couleurs. Mais avec ces informations qu'on va vous donner tout à l'heure, vous pouvez déjà avoir une idée claire sur la planification de votre projet et des prouesses d'informations pour déjà faire des petits tests si vous êtes déjà en possession de matériel. Et en cas de besoin, vous pouvez nous revenir pour plus d'informations. Mais je crois que ce qu'on va vous donner tout à l'heure va vous aider vraiment à capitaliser quand même quelque chose. Il faut noter que la fabrication des craies blanches et les craies de couleur n'a pas du tout de différence. L'unique différence se situe au niveau de la coloration des matières premières. C'est la toute petite différence. Donc, ça va se décaler un tout petit peu au niveau de la coloration. Première question, qu'est-ce que nous utilisons pour colorer? Nous colorons ou nous changeons la couleur du produit en utilisant les colorants concentrés qu'utilisent les autres peintres dans votre région ou partout ailleurs. Ces colorants concentrés sont divers sur le marché, mais il y en a qui marchent bien. Dans la vidéo que nous allons faire prochainement, nous allons essayer de rassembler des marques qui sont sur le marché et vous les mettre, vous les proposer. Vous pouvez les tester dans vos différents marchés. Et là, nous allons aussi vous donner les détails vraiment sur les dosages des différents colorants. Alors, donc, vous utilisez les colorants que vous déversez pas dans le produit déjà mixé, mais dans l'eau avant l'entrée du poudre. C'est ce colorant concentré qui vient colorer votre produit et vous donne les craies
des couleurs. Toutes couleurs confondues, vous pouvez élaborer, vous pouvez fabriquer selon que vous voyez, vous analysez bien sûr les concurrents qui sont sur votre marché. Voilà, chers amis, comment nous faisons l'écran des couleurs. Je viens de le promettre, je vais revenir avec une vidéo en détail sur A à Z comment colorer votre produit. Alors, l'organisation de l'équipe de fabrication. Et ça, c'est encore très important. Comment organiser votre équipe de fabrication? D'abord, il faut noter que l'organisation de l'équipe dépend de la grandeur de votre projet. Si vous avez une grande équipe ou si vous avez un grand projet, vous avez nécessairement besoin d'une grande équipe. Si votre produit est un peu réduit, vous avez nécessairement d'une équipe réduite. Mais le mode de fonctionnement reste le même parce que l'équipe de fabrication va dépendre du nombre de moules à votre disposition. Et comme nous l'avons dit, avoir deux personnes par moule dans les calculs, dans tous les circuits, c'est super important. Parce que là, ça vous permet d'être pointu et de contrôler la vie de votre moule et de votre entreprise. Ça garde les gens qui sont à la fabrique éveillés à bien protéger le moule, à bien entretenir le matériel et à rester focalisé sur la qualité de votre produit. C'est différent lorsque vous avez des personnes, un nombre réduit de personnel, alors qu'il y a plein de travail dans la fabrique, ça réduit l'efficacité, la capacité de veille de votre staff et ça met en mal les niveaux d'efficacité de votre de membres qui sont à la fabrique. Donc il est toujours important de penser à ça et d'y revenir. Et nous saluons vraiment beaucoup l'équipe de Bangui, l'équipe de la société La Solive, qui est la meilleure actuelle du Centrafrique, qui nous a fait d'ailleurs beaucoup d'honneur en nous recevant à Bangui durant toute une semaine. En tout cas, mon vieux, que je cache un peu les noms, mais vous êtes fort, cher expert, mon vieux, mon grand, vous êtes fort. Et toute l'équipe de Bangui, je vous salue en passant. Donc, vous comprenez que quand vous avez une équipe réduite, ça peut faire un peu du mal à l'équipe, à la société, parce que le résultat ne sera pas celui attendu. Donc, si vous avez un moule, mettez deux personnes. Vous en avez deux, mettez quatre. Alors, lors du fonctionnement, vous pouvez maintenant voir comment décaler les charges, les responsabilités. Lorsqu'il n'y a pas assez de besoins dans l'accélération de la fabrication, vous pouvez réduire les équipes, renforcer un peu dans l'emballage et tout, et avoir un circuit bien fort. Donc, voici comment vous pouvez bien travailler dans ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce sujet. Nous allons vite passer à l'étape du séchage. Oh, cher ami, comment sécher vos craies? Une petite histoire. Au début, quand nous avons commencé à fabriquer les craies, quand nous avons commencé à évoluer, on a commencé à on a vu comment les Chinois ont fait. Ils nous ont envoyé des palettes de réception que nous n'avons pas trop appréciées. Parce que ça fait pas un peu du bien. Parce que les palettes de récepteurs venues de la Chine, lorsque ça, les craies descendent, vous avez un peu des surfaces tordues. Alors, nous avons pensé comment quitter de là pour fabriquer un peu les palettes qui nous conviennent. Et là, au début, nous avions des palettes de réception et nous avions aussi des palettes de séchage. Parce qu'il faut dire que nous, on priorise, on est africain, cher ami. Le courant ici, là, c'est pas tous les jours.
Les courants, ce n'est pas tous les jours. Et souvent, là où c'est tous les jours, c'est cher. Donc, utiliser le courant tous les jours pour sécher, souvent, c'est compliqué. Alors, on a pensé comment sensibiliser les gens, comment sécher les craies en utilisant les moyens de bord, en utilisant la chaleur du jour. Voilà. Et l'air, le vent, bien sûr. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous allons utiliser les vents et le soleil, la chaleur du jour, pour fabriquer les craies. Alors, on a fabriqué les craies. Et là, on avait un récepteur fabriqué comme nous l'avons fait. On vous a montré ça dans plusieurs de nos vidéos. Et nous avions aussi une palette de séchage. Mais on a compris que ce va-et-vient n'était pas bien pour la santé de nos craies. Nous avons décidé d'avoir un seul récepteur qui, celui-là, revient pour le séchage. C'est-à-dire que la même palette reçoit les craies et la même palette va au séchage. C'est très bon, n'est-ce pas? Ça nous gagnons en temps et nous gagnons en mouvement. Nous gagnons également en qualité de craie. Parce qu'il faut noter que les craies n'aiment pas trop de mouvement, quoi. Quand plus on touche beaucoup là, c'est pas bien. Voilà. Alors, on a décidé de fabriquer ces palettes. Quand vous voyez ces palettes, ça peut recevoir ici, c'est super, ça reçoit les craies et ça va au séchage directement. Donc, il reçoit et il sèche. Mais aujourd'hui, on ne vous dit pas comment nous l'avons fabriqué. Parce que il faut pas quand même qu'on vous dise tout pour que à un moment vous nous appelez aussi. Il faut que l'on vive quand même. Il faut que Akelo reste coach. Où vous voulez que je ferme, mes chers amis? Ne m'en voulez pas, hein? Donc, vous pouvez nous appeler pour souscrire à notre programme d'accompagnement afin de bénéficier de tout le bienfait de notre volonté de vous accompagner et de travailler avec vous continuellement et pourquoi pas éternellement. Donc, chers amis, nous sommes très ravis que vous nous avez suivis et nous sommes aussi très contents parce que vous nous avez fait confiance depuis les débuts et vous êtes toujours avec nous. Et Akelo Farming Group vous est très reconnaissant et vous sera reconnaissant toujours et toujours.